Je me trouve au TLV Fashion Mall. Il se veut vraiment être le centre commercial de la mode. Ofna, c'est la mode. Ofna, ça vient de Offen, qui veut dire la manière. Offen, une manière, une façon. Ofna, la mode. Alors, un centre commercial se dit Canyon au Kenyon. Vous entendrez les deux, mais le vrai mot, c'est Canyon. Comme je vous ai déjà dit, les Israéliens déforment beaucoup les mots. Et vous pouvez aussi entendre parfois Canyon. Canyon vient du mot liknot, qui veut dire acheter. Ani kone bgadim, j'achète des vêtements. D'ailleurs, c'est des bgadim que vous achèterez dans le canyon qui est juste derrière moi, dans le TLV Fashion Mall. Vous allez pouvoir trouver dans ce centre commercial des chanouyot, un magasin, des magasins, boutique aussi. Mais bon, on dit quand même chanouyot, des magasins. Et c'est essentiellement des chanouyot bgadim, des magasins de vêtements que vous allez trouver dans ce canyon. Des restaurants. Évidemment, dans tous les canyons, il y a un chanyon. Alors, ne pas confondre canyon et chanyon. Canyon qui veut dire un centre commercial. Et chanyon qui vient de lachanot, qui veut dire stationner. Chanyon veut dire un parking. Eh bien, chaque canyon a son chanyon souterrain. Nous allons voir tout de suite une enseigne très connue en Israël. C'est Golbari. Mesdames, c'est pour vous. Écoutez bien. Pour vous, mesdames, on va parler fringues aujourd'hui. Et c'est avec l'enseigne Golbari que je vais voir un petit peu ce qu'ils proposent. Et à travers ce magasin, nous allons apprendre plein de choses. Écoutez bien, comme ça, la prochaine fois que vous irez en Israël, vous saurez comment on dit une robe, une jupe, un chapeau et tout le reste. Écoutez bien, c'est parti. Alors, je vous dis tout de suite, mesdames, je n'y connais pas grand-chose en fringues pour femmes. Mais bon, je vais quand même essayer de vous éclairer. Po, yeshlanu smalot. Smalot, ce sont des robes. Simla, smalot. Ça s'écrit avec un sin, hein, pas avec un samer. C'est pas smalot, c'est smalot. Et au singulier, c'est simla. Voilà, donc vous pourrez choisir vos robes comme vous voulez. Tous les vêtements sont accrochés à des kolav. Kolav, c'est un cintre. Kolav. The jacket. Jacket, c'est comme en anglais. Jacket, c'est une veste, tout simplement. Jacket. Jacket Milano. Jacket. Ok, donc si vous cherchez une veste, c'est jacket. Yesh, mirnasaim. Mirnasaim, c'est un pantalon. C'est au pluriel. Vous vous rappelez du suffixe aim qui veut dire deux. Mirnasaim, c'est un pantalon parce qu'il y a deux jambes. Mirnasaim. Mais maintenant, on entend très souvent mirnas au singulier, qui veut dire aussi un pantalon, mais c'est pas qu'une jambe, c'est les deux jambes aussi. Mais ça se dit mirnas. Je sais pas si c'est un diminutif, mais en tout cas, on le voit de plus en plus. Et là, je vois mirnas, qui veut dire un pantalon. Donc, mirnas, mirnasaim, un pantalon. Là, sur l'étiquette, vous avez donc jacket, Milano, la veste, Milano, mida. Mida, c'est la taille. Et tseva, c'est la couleur. Mida, ça donne le mot limdod, qui veut dire essayer. Animoded, pour une femme, animodedet, et ta jacket. J'essaye la veste, animodedet, et ta jacket. Donc mida, la taille, limdod, essayer un vêtement. Zot, khultsa. Khultsa, ça veut dire un haut, ça veut dire un top, ça veut dire un t-shirt. Y a aussi le mot t-shirt qui veut dire t-shirt, un t-shirt vraiment. Là, khultsa, c'est un haut, un top. Là, on est en période de solde. Vous avez des pancartes, Mifrar Pritim, un choix d'article. Mifrar, ça vient de Lifror qui veut dire choisir. Mifrar, un choix d'article. Achel Me, à partir de Achel Me, Shivim Veteisha Tishim, 79 Shekel 90. Ils mettent en condition ici la Pritim Sheba Miftsa pour les articles qui sont dans la promotion. Miftsa, c'est une promotion. C'est aussi une opération. Par exemple, Miftsa Sinai, l'opération du Sinai qui était une opération de Tzahal. Miftsa, c'est une opération, mais ça aussi une opération marketing, c'est-à-dire une promotion. Ein Kefel Miftsaim, il n'y a pas de cumul des promotions. Les promotions ne sont pas cumulables. Kefel, ça vient de kafoul, qui veut dire multiplier, kafoul. Po, poyesh, goufia. Alors goufia, ça vient de gouf, qui veut dire le corps. Goufia, c'est un... Ça peut être un tricot de corps, comme ça peut être aussi là un débardeur. Goufia. Zé, tunika. Tunika, une tunique. Facile à retenir. Ça, c'est Elionit. Un boléro. Un petit gilet, un petit boléro. Elionit. Pose, mirnas katsar. Alors, ça, c'est un short, évidemment, vous avez reconnu. Mirnasaim ktsarim. Mirnasaim, le pantalon. Ktsarim, court. Mirnasaim ktsarim, un short. Alors, comme je l'ai dit, on est en période de solde. Solde, ça se dit sauf ona. Sauf ona, la fin de saison. Sauf ona. Ona, c'est une saison. Arba onot. Arba onot, ça veut dire les 4 saisons de Vivaldi. Ad shivi machuz anacha. Jusqu'à 70% de réduction. Anacha, c'est une réduction. Alors là, j'ai un petit sac qui irait très bien avec votre robe verte, comme vous pouvez le constater. Un sac, ça se dit tic. Tic, comme tic, tac. Non, que tic. Tic, un sac. Pour cet été, optez pour un chapeau. Kova. Kova, un chapeau. Un jean. Ici, un jean, ça se dit mirnas jeans. Mirnas jeans. Un jean. Ça ne me va pas. Hein. Alors là, j'ai trouvé une jupe qui se dit Khatsaït. Khatsaït, c'est une jupe. À ne pas confondre avec Simla.
qui veut dire une robe. Vous avez deux façons de dire les tongs, c'est ou naale etzbaot, qui veut dire des chaussures pour les doigts, hein, les tongs, naale etzbaot, ou tout simplement des genres de savat, kaf kafim, des savat. Un foulard, tsaïf, tsaïf, un foulard. Zeolemoti, non. Zematimli, non. Zeolemoti, non. Bon, c'est pas ma taille, mais ça se dit tartonim. Tartonim, une culotte. Alors, une culotte tartonne, des culottes tartonim. Tartonim pour vous, messieurs, aussi, ça veut dire aussi des slips. Des chaussettes, ça se dit garbaim, gerev garbaim. Et des collants, c'est garbion. Garbion, garbionim. Alors, chez Golbari, ils vendent aussi des petits accessoires, ce qui est très pratique quand on veut se faire un look entier. Et là, nous avons des bijoux fantasy. On va commencer par tsamid. Tsamid qui veut dire un bracelet, tsmidim, des bracelets. Alors là, on a une chaîne, d'accord, en guise de collier, ça se dit charcheret. Et comme il y a trois petites bagues, ben ça se dit charcheret triple tabahot. Tabahot, ce sont des bagues. Et j'ai trouvé des boucles d'oreilles pour ce soir. C'est agilim. Agilim, ça vient de agol, qui veut dire rond. Agilim, des boucles d'oreilles. J'ai trouvé un petit porte-monnaie. Un porte-monnaie, ça se dit arnak. Rien à voir avec ce que vous pouvez endurer dans des magasins ou par des plombiers ou par des prestataires frauduleux. Là, il n'y a pas d'arnaque du tout. Ça se dit arnaque. C'est un porte-monnaie. Alors là, c'est une veste. On dit jacket, on l'a vu tout à l'heure. Mais un manteau, parce que c'est pas la saison, donc je ne peux pas vous montrer les manteaux. Mais un manteau, ça se dit meil. Et un manteau en cuir, meil or ou jacket or. Or, c'est la peau, mais c'est aussi le cuir. Alors, comment dit-on cabine d'essayage? Ça se dit ta medida. Ta medida et au pluriel ta ei medida. On a vu tout à l'heure mida qui veut dire une taille, limdot qui veut dire essayer et medida c'est le fait d'essayer, donc une cabine d'essayage. On sait que ta ça veut dire une cabine, ta téléphone, une cabine téléphonique. Ta medida, une cabine d'essayage. Bon, je retourne. Hein. J'espère mesdames que cette petite démonstration qui a été difficile pour moi vous aura plu. Et qu'elle vous aura apporté du vocabulaire et qu'elle vous aidera surtout quand vous viendrez en Israël ou si vous l'êtes déjà à faire des courses comme il se doit, sans galérer. Ah oui, avant de nous quitter, pour ceux qui sont touristes, ça peut vous servir pour demander une des taxes. Soit vous demandez Herzer Ma'am, et là vous demandez de vous faire rembourser la taxe, soit vous demandez Charles Kabel Tax Free, et là on vous comprendra aussi. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager comme d'habitude, et surtout bah, venez chez Golbari, franchement il y a des trucs pas mal. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cours d'Hébreu le Club? Alors rendez-vous sur acoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivrit.